Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. On continue notre aventure. On s'était quitté à la fin du donjon des ruines de Jabul. Et au niveau de la quête principale, on devait se rendre chez Louberry pour suivre l'aventure principale. Et hors vidéo, je me suis TP vers la peste Mojo, là, le Barasmoussi. Parce que je voulais utiliser mes ingrédients, je voulais voir ce que ça faisait. Et je me suis rappelé qu'on avait une mission avec lui. Il voulait 10 recettes de smoothie. Du coup, j'ai utilisé un petit peu les ingrédients pour faire des smoothies. Du coup, j'ai fait 2, 4, 6, 7 smoothies. Je crois qu'il m'en manque un pour finir la mission. Quand on avait fait celui-là, on en avait fait deux comme ça, je crois, dans les épisodes précédents. Du coup, ça m'a débloqué des trucs alors qu'on n'a pas encore vu. Genre vitesse de remontage des clés, ça je crois que c'est un truc avec Igor. Quand on avait vu dans les teasers, mais on n'a pas encore débloqué Igor. Ça c'était les citrouilles spirales. Ça j'ai fait, c'était deux bouteilles de lait, j'ai fait deux mangues. Les smoothies d'or, c'est avec les œufs en or là, donc ça c'est pété. C'est alors 15 cœurs qu'on se croit dans Breath of the Wild. Le potentiel on l'avait déjà fait, c'était deux raisins. Le sucré, c'est deux. J'ai fait deux nectars de fleurs. Et le phosphos, j'ai. C'était quoi la combinaison que j'ai faite? J'ai fait quoi? Deux modes de beurre. Voilà. Je pense qu'il y a plein de recettes, mais du coup, j'ai fait que deux ingrédients similaires. Et bah, on va en faire un autre avec lui. Comme ça va nous valider la mission. J'ai juste fait ça hors vidéo, du coup, on va faire quoi? Je sais pas si on peut faire des... Ça a l'air d'être un matériau, ça. On va refaire deux mangues. Même si c'est vrai que c'est... Les trucs de smoothie, c'est... J'ai l'impression que dans ce jeu, ça sert pas à grand chose. Parce qu'on a le lit pour récupérer les cœurs. Donc c'est vraiment si t'es genre pendant un combat ou un truc et que tu peux pas faire un lit, quoi. C'est sympa, c'est... un petit truc mignon, on va dire. Alors, normalement, je crois que j'avais fait tout, là. Reviens quand tu veux. Mais... Normalement, j'ai... Attends, bienvenue. Je veux discuter. Normalement, j'ai pas fait toutes les... Alors non, peut-être qu'il m'en manque un. Alors, attends. Non. Mission. Quête secondaire, c'était quoi? Plus de recettes, il vous en reste une à créer. Ah bon, il m'en reste peut-être une. Bah, c'est pas grave, on va en refaire un. Ah, peut-être qu'il veut pas des recettes similaires. Alors du coup, attends, si je fais genre du lait avec ça, ça fait quoi? Mince, j'ai mis ce clic. Non. Attends. Où suis-je? Comment on annule? Retour. Non, par exemple, si je fais genre de la mangue avec un œuf en or, ça fait un truc un peu cheaté, ça, non? Je crois que la mangue, c'est un bon ingrédient. Et l'œuf en or, ça booste les préparations. Ils ont fait des level design différents avec chaque truc. Smoothie d'or ormeau. Ah, voilà. Il m'en manquait une. Ah, attends, voir. 1, 2, 3, 4, 10, ça y est, objectif atteint. Avec tout ça au menu, les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur. Merci mille pour avoir cité un compte pour avoir créé toutes ces recettes. Ah, vous avez obtenu une lunette d'observation. Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie. Quoi? Attends, j'ai rien. Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres un peu plus souvent. Ah, d'accord, on a bien fait de te demander ton aide. Notre menu est enfin digne de ce nom. Mais ça pourrait être encore mieux. Ah, maintenant il va demander 50 ou un truc comme ça, non? À vrai dire, j'ai bien envie d'étoffer encore un peu la carte. Ok. 10, non, 20, ouais, bah c'était sûr. Ok, 20. Donc ça apporte un vrai intérêt au smoothie. Il y a quand même une quête à côté, donc ça c'est cool. Ça t'oblige... alors non, par contre on va se téléporter. Louberry... Ah bah, ok. C'est cool, il nous met carrément le... L'objectif, ça c'est bien. Les points de TP dans le jeu, c'est un bon point fort. Hein.
Du coup, le cheval, il sert un peu à rien. Ils ont tellement mis de points de spawn partout dans le jeu que finalement, le cheval... Alors, c'est là l'Oubérien. C'était la maison en paille. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait libéré le mec, là. Le général, j'ai oublié. Oh, princesse Zelda, vous êtes revenue. Vous avez l'air de vouloir... Quoi? Nous dire quelque chose. Ok. Je vois, vous avez renfermé, non, refermé, pardon, des failles dans plusieurs régions. Mais vous n'avez encore retrouvé ni le roi, ni Link. Ah, notre bon roi, où peut-il bien être? Grâce à vos exploits, votre Altesse, les grandes failles de plusieurs régions ont disparu. Il ne reste plus que celle du château d'Hyrule. C'est celle qui vous a englouti, vous deux et le roi. Quand je pense que sa majesté est sans doute encore quelque part dans une faille... Non mais alors lui c'est vraiment le lèche-botte du roi. Hein. Et que pendant ce temps-là, les imposteurs n'en font qu'à leur tête au château. Général Dex. Votre Altesse, Seigneur Loubéry, ministre SNS. En tant que général du royaume d'Hyrule, je ne peux pas rester ici à rien faire. Hein? Et que comptez-vous faire? Agir, bien évidemment. Je vais me rendre au château et révéler au grand jour la vraie nature de ces imposteurs. Oh non! Bon, lui, il va alors là, si je le vois Goku une maison, il va se faire repiéger à nouveau, lui. Il va retomber dans une faille. Attendez, Général Dex. Oh, il est incorrigible. Alors, elle, il est pas mieux. Elle aussi, il va à l'écran. C'est malin, comment allons-nous finir notre conversation maintenant? Je dois dire que cela me turlupine que vous n'ayez toujours pas retrouvé Link. Non, mais lui, il juge, hein. J'espère qu'il est sain et sauf. J'imagine que vous allez au château d'Hyrule, vous aussi. Les imposteurs du roi et des autres ont après votre vie, soyez très prudente, très prudente. Attends, est-ce qu'on peut mesurer l'épée? Ah non, c'est 10, mince. Bon, tant pis. Ah, quoique, attends. Ça demande combien hein? Niveau 2, il n'y a même pas de truc de fragment. Je ne peux pas renforcer davantage pour le moment. D'accord. Ok, c'est scripté, ils veulent pas. D'accord, ok. Bon, on va au château. Il y a un TP. Il n'y a pas de TP à côté du château. Bon, remarque, c'est tout droit. C'est pas très loin. C'est bizarre ça, il n'y a même pas de TP. Ou alors, je n'ai pas dû l'activer. C'est vrai que le château, on y allait au début. Oh! Attends. Je l'ai pas, elle. Je crois pas, hein. Je sais pas si quand on récupère les échos, est-ce que... Non, non, normalement non. Mur, tu l'as. Ah oui, ça permet de grimper, je crois. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des échos. Oh Link, c'est toi? Des monstres m'ont encore encerclé, éliminé... Attends, non, mais stop. Non, 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 attends. Ah oui, c'est une quête. Non, on fera plus tard. On va aller au château. Oh, il y a tellement de trucs dans ce jeu. Attends, mais je pars en couille, là. Non, c'est bon. J'ai tellement de sens d'orientation que... Il y a tellement de trucs dans ce jeu. En fait, c'est vraiment pour un jeu... Enfin, c'est vrai que comme il est en 2D, on a tendance à dire que c'est un jeu portable, mais pas du tout. C'est un jeu de salon, quoi. La Switch, elle est hybride, on oublie ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Ah, ça se trouve, c'est un sbire, lui. C'est peut-être pas le vrai, non? Mon visage, ma voix, mon corps, vous ne me reconnaissez donc pas? Je vous l'avais bien dit, Général Dex, c'est les imposteurs qui se font passer pour nous, ont pris le contrôle... Ah oui, non, c'est ok. C'est les soldats qui sont corrompus, du coup, maintenant. Le roi nous a mis en garde contre les imposteurs comme vous, qui essaient de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Vous êtes les personnes que vous prétendez être, alors donnez-nous le mot de passe. Le mot de passe, hein? Quoi? Le vrai général et la vraie ministre connaissent le mot de passe. Ah bon? Ah merde. Oui, le mot de passe que le roi a instauré... Ah non, ok, putain, j'ai cru qu'on avait donné un truc au début de l'aventure et que j'avais déjà zappé. Non, c'est eux qui inventent des lois parce que c'est des corrompus. La stratégie du faux roi est claire. Il essaie de nous faire passer, nous, pour des usurpateurs. Ces imposteurs se sont bien payés notre tête. Dex et SNS sont les vrais. Et pourtant, tout le monde croit que ce sont eux les imposteurs. Écoutez-moi, vous autres. Les véritables imposteurs, ce sont le roi, le général et la ministre qui sont au château en ce moment. Inutile d'insister, Général Dex. Vous aurez beau leur dire ce que vous voudrez, ils ne vous croiront pas. Mais enfin, nous ne pouvons tout de même pas... Qu'est-ce que...
Ah, c'est... Ah bon, ça c'était... On le voyait dans les teasers, ça. Ce truc-là, on le voyait. D'ailleurs, la première fois qu'on l'a vu, je crois que c'était pas... C'était le deuxième teaser ou un truc comme ça, officiel. J'ai cru que c'était... À l'époque, je croyais que c'était la scène d'intro du jeu, même. Je croyais qu'on allait voir ça, genre, dès le début du jeu. Ah, des Dark Knights corrompus. La citadelle! Tous ces gens qui se sont fait engloutir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ressaisissez-vous! Hein? C'est des soldats au service des mines, non? Et quelle est la mission de soldats? Bah, se battre. Protéger le peuple. Exactement. Vous voyez que vous savez ce que vous devez faire. Alors, vaillants soldats du royaume d'Hyrule, conduisez en lieu sûr les habitants qui ont réussi à s'enfuir. Moi, je vais m'assurer que personne n'est resté derrière. Protégeons le peuple tous ensemble. Vos ordres. La situation est catastrophique. Votre Altesse, vous êtes la seule à pouvoir refermer la faille. Je vous en prie, sauvez ceux qui ont été engloutis. De mon côté, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider... Quoi ? Pour aider à évacuer les habitants. C'est marrant, l'OST, c'est l'OST du néant. Attends, c'était quoi? C'est quoi l'objectif? Écoutez, comment on fait le truc, là? Non, c'est ça. La citadelle d'Hyrule a été engloutie par une énorme faille. Senes et Dex sont allés aider les personnes qui n'ont pas eu le temps de fuir et vous ont demandé de sauver celles qui ont été englouties. Ah, scripté. Attends. Là-dessous. Ah, on va aller sous le château. J'ai trouvé. Un peu plus loin, il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille. Cherchant un moyen de descendre. Bah là, bonjour. Madame, accrochez-vous bien. En avant. Comme il la porte. Le gars, genre, zéro respect, quoi. Ok, bon, on saute là-dedans, non? Ah non, on peut pas. Non! Mais c'est pété! Attends, je comprends pas. Attends. Les monstres corrompus, genre, ils sont à la surface. Mais what the fuck? Ils sont pas dans le monde des néons, hein? La logique, fuck la logique, Nintendo! On voit un sniff. Tu as dû avoir très peur, mais tout va bien maintenant. Allez, viens. Ok, on dirait un. Oh, il y a un burger sur la table, genre. Ils ont modélisé un burger. D'accord. Ah, le sens du détail dans ce jeu. Votre Altesse. Cet enfant est resté derrière. Pour le moment, je vais le conduire en lieu sûr. Nous devons nous rendre sous la citadelle de Senes. Tu ne connais pas un endroit où... Quoi ? D'où on peut descendre dans les sous-sols ? Comment ? Un endroit d'où on peut accéder au sous-sol ? Je ne me trompe pas, au fond du puits qui se trouve près de cette maison. Non mais d'accord. C'est même pas genre un indice, il te donne la solution à le jeu. Le puits, c'est noté. Votre Altesse, Seigneur Tri, je vous en prie, soyez prudent. Non mais le jeu qui te spoil. Le backseat. Le jeu est backseat. Ok, c'est celui-là là ? Putain, je vais me prendre un coup de lance. C'est sûr. Non mais c'était sûr. Je m'en fous. Attends, hop, ciao. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était le puits du début, ok. Ah oui, bah ok, d'accord. Bah attends, on va dormir. Ok, l'entrée, elle est là. Mais attends, mais c'est-à-dire que c'est un donjon, là. Ah non. Le monde du néant... Ah, oui, mais attends, le monde du néant, ça précède toujours les donjons, non? Je vais devoir pour... Ok, une ouverture, Zelda, ok. Bah toujours même dialogue, hein. Le monde du néant, je suis pas trop fan. Je trouve que c'est trop bizarre dans Zelda. Ça fait vraiment plateforme comme un Mario, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas, ça me... Après, c'est bien de tenter des choses, on peut pas leur reprocher ça. Pour l'instant, c'est le Zelda où il y a le plus d'originalité. Hein. Zelda en 2D, je veux dire, comme ça, quoi. C'est le truc d'entraînement, ça. On peut dormir dans les... Non? Non, je voulais faire un écho, non. Ah oui, d'accord, en fait, on est dans le château, là. Non?
Ah non, c'est la citadelle. Néant de la citadelle. Ah oui, d'accord, c'est le village. Ah bah oui, c'est la partie qui est... Oui, qui est tombée dans le... Oui. Ah non, 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 non. Ah purée, attends. Ah, ça dégage. Ah oui, on peut se péter là. On a masse de respawn de Link. Par contre... Voilà. Attends. Oh ça, putain, alors ça c'est Link's Awakening. En fait, cette girouette elle m'a fait penser à Link's Awakening et dans le village on pouvait la pousser. Ça j'y ai même pas pensé quoi. Parce que je pense que c'était... On l'avait vu cette girouette parce qu'au début j'ai cru que c'était pour sauvegarder. Trois piments, bah tout ça pour ça. Bah c'est nul. Trois piments, yes. Ok. Ouais, ces phases-là ont un peu de plateforme. Bon, je suis pas trop fan. C'est original, mais bon. C'est... Bon. Ça, par contre, ça fait vraiment penser à TOTK. Hein. Avec les esprits un peu miasmiques. Regardez-moi l'IA qui fonce dans la mort. Par contre, ils sont cheatés, les Dark Knight, non? On peut pas faire. Je me suis posé, on peut pas faire des échos de monstres comme ça, du néant. Je viens de capter. Non merde. Attends, bah du coup je rentre. On peut acheter une. Ah non, oula, au revoir, bonjour. Genre il y a un effroi qui tient le comptoir et tout va bien. Mais je pense que c'est la même chose dans toutes les maisons, non? Ah bah ils sont. On peut même pas leur parler, c'est dommage. Attends, je me rends compte que je crois que j'ai pas fait les animaux. Ah yes, je vais mourir, c'est énorme. C'est énorme. Allez. J'ai même pas capté. Non mais attends, ils font. Non mais ils sont pétés par contre les Dark Knights. Ils enlèvent combien? C'est tous les monstres un peu corrompus comme ça quand ils enlèvent deux cœurs, non? J'étais full vie, je me fais je me suis fait bouffer tous les cœurs. Est-ce qu'on peut scanner les amiibos dans le monde du néant? Alors attends, je tente. Amiibo. Là, je prends Zelda de TOTK. 5, c'est nul. Link de Link's Awakening. Putain, mais abusé quoi, le même truc. Le gardien, je crois qu'il m'avait droppé des trucs sympas, hein, le gardien. Des mangues. Non, mais c'est nul, les amiibos. Alors, réveille-toi. Hein. Ouais, franchement, je suis trop déçu de qu'ils aient pas fait un amiibo. Zelda en chibi. Putain, je me suis vraiment bloqué. J'ai vraiment fait ça. Attends. Ah, mais what the fuck, la prof. Mais putain, la perspective, c'est une blague par contre. Attends. Ah mais... Non mais je veux vraiment utiliser Link pour ça. Ah non. Oh mais c'est doublé la perspective. Putain l'agression là. T'en dégage. Voilà, au revoir. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis... Qu'ils aient pas sorti Link en chibi, en amiibo, et les Ganon en amiibo chibi. C'est dommage ce... Comment? Ce design-là des personnages de cette saga, on les a jamais vus, c'est dommage. Surtout qu'ils avaient fait... Ah, un TP. Ils avaient fait Link en 2019 en mode chibi, c'est dommage, on aurait pu avoir les trois. Bon, peut-être un jour. C'est déjà arrivé, bah d'ailleurs dans TOTK on a eu les amiibo après la sortie du jeu. Hein. La Zelda et Ganondorf, on les a eu hiver 2023 je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok, il y a des TP dans le monde du néant, c'est nous ça non? Non que c'est fou. On avait déjà eu des TP dans... Mince, comment on fait la carte? À chaque fois je me trompe. On avait déjà eu des TP comme ça dans... Je m'en rappelle même plus. Alors... Du beurre. Non mais les coffres dans le jeu c'est un peu nul. Alors, yes, je vais crever, c'est énorme. De l'eau, de l'électricité, yes. Let's go.
J'ai dû... Franchement, alors, attends. Ah. Attends. C'est un Artrap Nigo, ça. Non, non, pour 20 rubis, c'est quoi, j'y veux même pas. Je sens bien le truc. Alors, je crois pas qu'il y en ait dans le jeu, mais ça, c'est bien un truc de Like Light. Genre, un pauvre rubis comme ça, genre, allez, viens. Genre, le piège, il te tend les bras. Ah non. Ah, le truc là. Ah, j'ai pas aimé ça. Ah, j'ai pas aimé ça. Ah, ça y est, je sais pas le faire. C'est, ah, c'est énorme, je sais pas le faire. Oh là là, mais la perspective, ça va pas du tout dans le jeu. Hein. Mais... Ah mais c'est déjà le château. Mais attends, y'a rien là. Ça, elle est pas mal cette, finalement cette vue là. Avec le stick droit, c'est sympa, tu... Non, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a un quart de cœur? Non, même pas. Même pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah mais il y a un TP dans le... Oh, j'ai pété. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ce qui nous attend est pire que... Que quoi? Que tout ce qu'on a affronté... Ah bon, merde. Zelda reste bien sur tes gardes. Ah, la chouette dialogue. Château d'Yves... Non mais attends, c'est un donjon? Oh, c'est un donjon? C'est un donjon! Ah mais j'avais pas prévu ça. Je suis en train de regarder le temps de record. Attends, si c'est aussi long que les autres donjons, Ça me fait penser à Link to the Past, franchement. Retourner au château d'Hyrule, genre après 3 donjons, bah, c'est tellement Link to the Past. Ah, merde. Au revoir. J'ai cru qu'il était momifié, moi je me jette sur lui. Attends, mais je suis peut-être pas obligée de le tuer, si. Ah mais ça veut dire qu'il y a notre chambre alors, attends. Ah! Je l'avais jamais eu. Dark Knut niveau 2. Ah il est pété, il est fort lui je pense. Il fait combien? 4, ah ouais. C'était pas là notre chambre? Ah. Bon c'est là, c'est un peu la mort. C'est plus notre chambre. Et là, on peut passer les portes? Non. Ok. Oh, elle est stylée l'ambiance. Oh, on peut couper les fleurs! Ah, je veux pas. Énorme. Truc qui sert à rien, mais voilà quoi. Ah, bah notre père. Ton père était donc bien ici. Ne t'en fais pas, Zelda. Une fois qu'on aura refermé la faille, il retrouvera son état normal. Oui, mais bon. Ce sera la fin du jeu, ça. On peut pas... Ah, le trône! Ah bah... Non, mais c'est cramé. Enfin, je dis ça, mais c'est sûr que si un enfant de... 6 ans, il y joue, c'est peut-être pas évident, quoi. Mais quand t'as fait, genre, bah, typiquement, hein, Link to the Past, tu crames le rideau, voilà. Le Dark World, il est derrière, hein. Tellement, mais rien que ça, je trouve que c'est bien travaillé. Genre le feu et tout, c'est... Ça c'est vraiment, t'as l'impression qu'à côté, Link's Awakening, c'est un brouillon, quoi. Ouais, c'est vraiment donjon, il y a des... Ah ouais, il y a des trucs partout, ça a l'air immense, du coup. Ok. Bon, ça on l'a déjà... Ouais, bon, ça c'est cramé. Ça on l'avait déjà vu dans le truc Gerudo, là. Les portes comme ça, ouais. On connaît. Ah. Ah mais putain, on refait le début du jeu. Ah oh, c'était le truc de l'infiltration. Sauf qu'ils sont corrompus. Mais c'est chaud. Il y en a partout. C'est ça? Attends. Non, je fais n'importe quoi. Attends, il y a les... Genre, on est... Il faut les enfermer, c'est ça? Mais il y en a partout!
Mais c'est impossible. Oh, l'IA qui est buggée. Oh non, je l'ai mis au... Franchement, je croyais que j'ai voulu l'enfermer, c'est pire. Parce que je crois qu'il fait une rampe daubée, là. Il peut pas nous voir, là. Si. Oh, monsieur a buté. Mais vous avez vu comment c'est pété, cette IA? Mais je suis derrière la commode, le mec, il me voit. Non, mais faut rater les conneries, là. Oh. Mais c'est impossible. Attends. Non, 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 non. Ah, mais ils sont sensibles au bruit. Comme... Ah, mais c'est exactement la même phase de gameplay que le début. Attends. Il bouge lui ou pas? Non. Mais c'est impossible. Ah si, attends. Ça là. Ça marche ou pas? Ça c'est comme dans Wind Waker. Dans comment ça s'appelait dans le truc ou dans c'est au début du jeu dans Wind Waker on fait ça. Ouais, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, le truc où il y a Ariel qui est enfermée. Je sais plus, l'espèce de tour là qu'on y va au moins 3 fois dans le jeu là. On se casse dans un tonneau là avec les mobiles là. Mmh ah ouais, ah putain, ah non, faut vraiment pas faire de bruit. Hein? Non? Non? Ah? Ok. On reprend d'où? Ah, on reprend du début. Oh non! Huh?
on se retrouve. Je vous ai fait une ellipse, hein. Je vous ai mis que les essais gagnants. J'ai galéré. Oh, franchement, je pensais pas que c'était... J'allais galérer sur un truc d'infiltration comme ça, quoi. Ah, mais c'est chaud. Mais c'est... Je m'attendais pas à un truc comme ça dans un Zelda 2D, en fait. Ça m'a surpris. Je trouve que c'est pas du tout un jeu pour les enfants. Hein. Enfin... Ça demande vraiment... On avait reproché peut-être à Breath of the Wild et TOTK. Bon, c'est pas trop comparable de comparer qu'un jeu comme ça, mais... Que des fois, les énigmes, tu pouvais les cheater et tout, c'était pas très recherché et tout, mais je trouve que dans ce jeu, tu te creuses les ménages. Hein. Les infiltrations où tu peux pas te battre, t'as l'impression que c'est simple, mais non, pas du tout. Hein. Là, c'est pas Impa. Si, je crois. Hein. Cette personne... C'est elle qui t'a aidé à... Oui, c'est ça, donc ok, c'est elle. Elle aussi s'est fait engloutir, c'est vrai qu'on n'avait plus de nouvelles d'elle, c'est vrai. Si on parvient à refermer la faille, elle retrouvera son état normal. C'est quoi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai réussi à aider son Altesse à s'enfuir, mais les gardes m'ont attrapé et m'ont mise en prison. Ah, c'est son journal. Ils étaient trop nombreux, j'aurais voulu pouvoir retourner la situation, mais j'ai été vaincue par le poids des ans. Depuis ma cellule, je n'arrête pas de les entendre crier trouver la princesse Zelda. Toi qui la recherche, cela veut dire que son Altesse est sauve. C'est la seule chose qui me procure de l'espoir. Oh, c'est creepy quand même, hein. La meuf, elle écrit son journal dans la prison. C'est un peu glauque. J'ai entendu les soldats dire qu'une faille avait disparu à l'extérieur. Je pense que son Altesse a quelque chose à voir avec cela. Mais je suis inquiète, j'espère qu'elle n'est pas blessée et qu'elle ne prend pas trop de risques. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour qu'elle ne lui arrive rien. C'est très frustrant. Il y a beaucoup d'agitation au château. Peut-être est-il arrivé quelque chose à son Altesse. À moins que l'ennemi ne soit sur le point de lancer une attaque. Il faut absolument que je trouve un moyen de sortir d'ici pour prévenir son Altesse. Oui, bah du coup, t'as écrit tes mémoires. C'est bien une patte intelligente. Oui, c'est un peu le baston. Oh, un point de TP, enfin! On ne retourne pas cette scène de l'enfer, de l'infiltration, là. Au secours, quoi. Oh, merci, quoi. C'est vrai qu'on ne serait pas dans un donjon, ça fait trop bizarre. Non. Bon, du coup, la solution, voilà. Enfin, vous l'avez vu, je ne l'ai pas commenté, parce que je me suis concentrée sur un jeu comme ça, s'il te plaît. Mais j'ai utilisé les pots, quoi. Mais l'IA, elle est quand même bien... Ah, non... Attends, qu'est-ce que tu fais contre ton propre clone, un peu plus fort que toi? Ils réagissent de la même façon, donc ils vont se taper de la même façon, non? Oh là là, il est pété le Dark Knight. Attends, pourquoi il y a plusieurs Ah oui, d'accord. C'est énorme, ils font exactement le même pattern. C'est grave pété. Attends, par contre, tu me gênes. Oui, il y a un milliard d'échelles là, mais ça se trouve, on est peut-être même pas obligé de les tuer. Oh, l'OST, ça fait trop bizarre, tiens. Deux jumeaux qui se battent ensemble, ça fait quoi? Ils ont la même force. C'est drôle. Ah, ouais, on est obligé. C'est drôle, on dirait qu'on regarde notre propre jeu. On regarde les IA se battre entre elles. Ah, on est obligé. Ok. Quoi? Non, mais pourquoi il y a des pots comme ça à chaque fois? Du raisin. Ok. Attends. Il est où, elle est où ma plante? Voilà. Voilà, t'inquiète. Hein. Non! Non, mais c'est pété, attends. Ah oui. De l'énergie. Tiens. Vas-y. Fais le boulot. En tout cas, ça a l'air... Enfin, je pense que là, on est peut-être à la moitié du jeu. Enfin, ça me paraît évident que c'est... C'est certainement pas la fin du jeu. De toute façon, on a vu les gorons, on a vu les mojos, on a vu de la neige, donc c'est sûr que... Des spirales. Ah, c'est vrai que j'ai mes potions. Du miel. Ah, y a, par contre, il y a un coffre en haut. Attends, je viens de l'ouvrir ou... Non, je le... Attends, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah, mais là, il t'encourage. Ouais. Mince.
J'allais dire, ils t'encouragent à te battre avec Link parce qu'ils te font respawn tout le temps l'énergie, elle, là. Il y a des coffres partout, ici. Oh, c'est bien ça. Pierre de monstre. C'est rare, je crois. C'est la mort, ici, ou... Oui, c'est la mort. Let's go. Oh, les effrois. Non, c'est non. Pour moi, c'est le meilleur ennemi. Enfin, c'est le meilleur écho hein, pour l'instant. Pour l'instant. La plante... c'est quand même... ça fait presque office de bouclier, je trouve. Ah, le feu. Ce flambeau, il est derrière une grille. Tu te souviens que tu peux reproduire des objets au loin? Tu pourras peut-être créer quelque chose derrière la grille. Comment? Quoi? Attends. Comment jouer? Je crois que c'est le moment de le voir, ouais. Ah! Créer un écho au loin. En maintenant Y en français, vous pouvez créer un écho dans un endroit... Bah voilà. Je l'ai jamais fait, c'est énorme. Par contre... Tiens, j'allais critiquer ce truc, mais finalement c'est bien. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais c'est comme ça. Putain, mais je crois que je me suis pris la tête dans des donjons. Il y avait juste à faire ça, je suis sûre. Non, mais attends, par contre, la plante dégage. Mince, attends. Ah oui, par contre... Ah, c'est là que je regrette presque la Game Boy, donc. Parce que vous voyez, Zelda, elle se met dans un angle. Elle est dans ce jeu, on peut faire des diagonales. Pourquoi ça marche pas? Oui? Comment? Comment se faire? Ah oui, après je fais synchroniser. Ah ouais. D'accord. Ah, attends, je me suis fait cramer par mon propre écho, c'est une grosse blague, je crois. Je me suis pris des dégâts, mais c'est abusé! Je me suis pris des dégâts avec mon propre ennemi. Mon propre truc. Non mais c'est attendu. Un scandale! Heureusement qu'il y a le lit dans ce jeu. Hein. Ok. Ouais, alors attends, par contre. Vas-y, va le défoncer. Va le défoncer, toi! Va défoncer la chauve-souris, là! Ah, oh, mais purée! Non, mais l'écho qui a d'autres QI, là! Bon, vas-y. Non! Ne lock pas l'ennemi! Alors, hop, l'arc, loqué. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Pardon? Non mais pardon? Non mais... Comment ça, ça loque pas l'ennemi? Mais... Oh là là, mais si t'es hors champ, ça loque pas. Mais quelle merde. Tout ça pour ça, en plus. J'ai plus d'énergie pour le battre, c'est énorme. Ah, la plante, je t'en supplie, va me défoncer cette chauve-souris. Hein. La plante qui est buggée. Putain, mais j'en peux plus. Oh là là. Mais ce jeu, c'est pas possible. Hein. Il y a des fois, je vous jure, il y a des problèmes dans ce jeu. Hein. Attends. Ah, ou alors, ils veulent... Putain, ils veulent qu'on fasse genre ça. Attends. Non. Faut que je change d'écho. Bah attends, je vais prendre le papillon, là. Il est où? Que je l'utilise jamais, là. Vas-y, va voler vers la chauve-souris, s'il te plaît. Non. Ah bah, c'est bon. Je sais pas comment c'est possible. Je crois que le tatou, il m'a annulé le truc. Allez, désintègre-toi. Ah non, mais il y a des trucs, vraiment, c'est ça va pas. Il hein. Y a du gameplay dans le jeu, c'est... un peu hasardeux. Hein. Alors non, c'est... Allez, putain, mais mets-toi à droite, Zelda, je t'en supplie. Alors, attends, Y. Non, X, mince, je suis tombée. Je sais pas comment ça... Je sais même pas comment je l'ai activé. Le truc, il a complètement bugué. On peut pas loquer le truc Attends. Attends, merde. Misclic, ça peut traverser. Ah, ça marche pas.
On peut pas le loquer en... Ah, ça marche pas comme ça. Ah ok, attends. Non, j'ai compris. Attends. On le met là. Hop. Synchronisation et hop. Ok. Ouais. J'allais me dire, j'allais me balader avec la boule de feu. Hein? C'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, ça repousse. Ok. Ça va pas jusque là quand même. Non, c'est bon. Ah mais attends, est-ce que je... Attends, c'est le même plan? Non. J'allais tenter un truc, what the fuck, mais non. C'est pas la même perspective. J'allais prendre les dalles, puis yolo, on s'en fout quoi. Ça marche pas comme ça. Du feu. Attends, c'est où le truc de l'eau là? Là. Voilà. Du feu contre de, du feu contre du feu, je veux dire du feu contre du feu, non. De l'eau contre du feu, voilà. Oh là là, on se trouve. Il y a des fois, il y a des trucs qu'on se sent tellement puissants. Alors attends, par contre, ça part dans tous les sens là. On est déjà. Ah, on est moins deux. On est rentré où là? Red, on est. Ah non, red. Putain, je comprends rien. La map, c'est énorme. Red chaussée. Ah bah d'accord. D'accord, ok. Quoi? Il y a du feu dans le château d'Hyrule. Mais oui. ça fume sévère chez Nintendo. Ça, c'est sympa comme item, ça. Ça me fait penser à la jarre magique dans Skyward Sword. Mais c'est quoi? C'est des interrupteurs, ça? Ah non. Je sais pas ce que c'est. Pour la déco? Non, c'est pas pour la déco. C'est trop bizarre. La map. Oh ouais, c'est gros, putain. Qu'est-ce qu'on n'a pas étudié? Bah déjà, où il y a tous les coffres, on n'a pas vu. Bon, ça va, déjà, j'ai pas loupé de coffre, donc ça va. C'est une grosse vidéo, du coup. Non. Attends, j'ai envie de tester. Elle est où? Est-ce que... Ils vont me sauter dessus ou non? Oh, ils m'ont défoncé ma plaque. Attends. À la bonne hauteur ou pas? Oh, c'est pété. Putain, le meilleur item du jeu, quoi. Oula, par contre, beaucoup de reste. Ah, c'est quoi? C'est le mi-boss? Ah! Un point de TP. Oh, ça, c'est bien. Oh, putain, c'est déjà le boss. Ah, oui, d'accord. Attends, on est au château d'Hyrule? Ah, ça va peut-être être genre Link en 10 fois plus fort, quoi. C'est genre Dark Link. Non. tiens, Dark Knight, vas-y. Défonce-moi les scorpions de merde, là. Allez, voilà, ça dégage. Oh putain, c'est puissant, le Dark Knight. Hein. Une petite clé. Attends. Vas-y. Là, ici, là. Défonce-le. Focus-moi ça et défonce-le. Voilà. Par contre, c'est quoi ces pierres? Ah, il y a un truc à péter. Ah, attends. Non, attends. Non. Non, mais tu me pousses. Tu me gênes, pardon. Non mais attends, putain, non mais l'écho qui me bide. Je crois que j'ai compris. Attends. Non. Faut mettre un poisson bombe là. De toute façon, j'ai pas de bombe autre que ça, donc... Par contre... Là et le poisson. Ah mais ça, mince, ça va pas marcher. Ah ou ça là, le truc là qui fonce. Attends, attends. Le poisson, s'il vous plaît.
Il est où? Mon dieu. Je le vois même pas, c'est énorme. Il est où? Il est pas dans des ennemis? Attends. Fréquence. Tiens. Il m'a pété le truc. Alors attends. Par contre... Il pète l'écho, mais je pense que si je fais des... Non mais c'est ça, attends. Ah non, attends, ça demande combien? 3? Si, c'est bon. Je vais faire des pierres. Attends. Hop. Ah mais mince, il va peut-être péter l'écho. Hop. Non, attends. Non, je peux pas le... Alors attends, je vais me mettre là. Ah oui, il a pété l'écho. Reste là. Putain, le truc, il est calibré pour pas qu'il bouge. Putain, c'est tellement bien fait. Attends, je m'en fous, je teste. J'en remets. Ah non, ça va pas marcher par contre. Je crois que je peux pas le faire. Attends, si je le mets... Attends. Non, je peux pas. Pourquoi pour fou là. Non. Ah oui, si. Comme ça, je le bouge là. Ou je le bloque. Là. Et là, je le mets. Je crois que je l'ai passé. Oui, non. Non, alors ils veulent pas. Parce que là, il est pile sur le truc. Ah si! Oh là là, mais je suis sûre que c'est pas ça. J'ai trouvé un truc complètement what the fuck, je suis sûre. Oh, mais c'est important en plus. Non, tout pas pour ça! Mais bande de bâtards! Vous pouvez pas me mettre au moins la petite clé, là! Putain, 50 rubis pour ça. Non, mais franchement, ça aurait mérité plus, hein. Je suis déçue. En plus, c'était genre le coffre bien entouré de trucs. Ah, mais attends, c'est verrouillé. Et là, c'est verrouillé. Ah, mais il y a peut-être une énigme. Pourquoi on peut monter là? Non, on a l'impression qu'on pouvait monter sur le truc. Non, ok. Ok. Donc, c'est pas par là. Oula. Il y a du monde ici. Non. What? Mais ils sont cheatés, ces ennemis. Par contre, attends, il y a un truc là en haut. Ah, il y a la mort, c'est énorme. Le Dark Knight, c'est comme tu veux. C'est quand tu veux, mon gars. L'IA qui comprend rien à la vie. C'est énorme. Ok. On va prendre les valeurs sûres. Non, il faut que je dorme là parce que je viens de voir ma vie. Ça va du tout. Dormons. Il l'a tué le truc, non? Toujours pas? C'est pas la peine de... Putain, mais regardez-moi cette IA de merde. La plante m'a tué le lit. Non mais ça, alors ça, c'est... J'ai pas encore vu ça. Je pensais que les échos, ils avaient pas d'influence sur toi. C'est... Non mais c'est n'importe quoi, hein, non? C'est la première fois que je vois ça. Non mais lol. Dors. Ah non, c'est bon. Alors non. Ah mais si, il l'a tué. Par contre, mais il y a un truc là, non? Attends, c'est juste la déco là. Ah non, c'est la suite. Alors attends, on va où là? C'est un shortcut ou... Non. Oh non, les phases d'eau, vraiment, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les phases d'eau. Je sais pas où je vais, c'est énorme. C'est énorme, on voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Ah, c'est énorme. Est-ce qu'on peut... On peut... Alors ça, c'est... Alors... Allez, yes. Ah mais je savais pas qu'on pouvait se battre dans... Enfin, je sais pas qu'on pouvait être Link dans le... Par contre... Putain,
mais tout ça pour ça, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Non mais c'est nul à chier. Mais c'est pas possible. Ah mais il y a... Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est sûr que la plante... Ça là, cette merde là... Attends. Est-ce que je l'ai déjà? Mince, on peut pas faire la plante aquatique. On peut pas faire la plante sous l'eau. Vite, pète, je t'en supplie, pète avant qu'il me bouffe. Ah, il l'a bouffé. C'est un écho que je... Ah, c'est un écho que j'avais déjà eu. Alors attends. Ça veut dire que... Je suis sûre que genre le... Les espèces de... De gris sous l'eau là. La corruption là qui t'empêche. Mais sûr et certain, on peut la... La battre sans Link, genre avec une plante. Par contre, ah, ce sera peut-être le moment d'utiliser ce que je pense là. La boisson qui était luminescente là, je sais pas quoi là. Ça, c'est cette merde là. On teste. Est-ce qu'on voit dans le... Oh putain, c'est pété. Alors ça, c'est deux modes de beurre. Bon bah c'est tellement plus simple. Parce que ça, c'était très labyrinthique, je sais pas où on allait. Hein. Une minute. Ça va vite, une minute. Hein. Attends, je m'en fous, je force le passage, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est tout ça pour un coffre. Ah, sans... Bon, ça va, ça rentabilise un peu le truc. Par contre, attends, on est... Non, non, arrête de faire ça. On est où sur la map? Ah, on est là-dedans. Ah bah en plus, de toute façon, il n'y avait qu'un coffre, donc ça va. Ah, c'est un vrai labyrinthe. Hein. On repasse par où? Là, là, et là, et là. Et... Ah bah c'est cool. On va prendre surtout cette sortie-là. Qu'on fasse gaffe à l'oxygène. Donc à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, toutes. On se restaure. Donc il est plus intéressant que tous les châteaux d'Hyrule qu'on a fait dans la saga des Zelda. Hein. Oh la vache. Il est complet. Hein. Oh non, à l'aide. Putain, le truc vraiment qui m'a fait chier, on va le refaire. C'est énorme. C'est impossible. Il faut absolument passer par en haut. Non! Attends, si on fait en speedrun, ça fait quoi? Si on se fait jamais prendre, on peut peut-être passer. Oh putain, c'est ça, ça marche en plus. Oh, c'est abusé. Par contre, il y avait un interrupteur. Ah, on respawnait de là. Putain, je me suis fait chier. Ah ok, d'accord, bon, ça va. C'est peut-être... D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure solution. Ah, mais c'est en fait, c'était juste pour avoir le coffre. Ok. C'est énorme. C'est la petite clé. Déjà, c'est pas la clé du boss. Par contre, il y a quoi, là? Ah non, c'est juste de... Ok, des décors. Heureusement que je suis en hauteur. Par contre... Attends, c'est le moment de mettre la caméra comme ça, là. Au moins... Attends, mais si, par exemple... On y va... Si on y va comme ça, là, genre en mode YOLO... Est-ce que ça brain la cinématique? Est-ce qu'on se fait... Bon, on s'est peut-être capturé, mais on s'en fout, on a la clé. Ça marche comment, d'ailleurs, tiens? Ah, mais attends, je suis bête. Téléportation. Ça marche comme ça. Oh, t'es pété. Oh, le jeu, il nous fait une fleur, là. Tu peux te TP alors que t'es en phase d'infiltration, c'est complètement cheaté. Ah, c'est énorme. Ah, je sais pas si c'était prévu, ça, mais... Ah, l'IA, c'est comme si tu crachais à la gueule de l'IA, là. Oh, elle est importante, cette salle, puisque c'est une clé. Ah, c'est peut-être pour la clé du boss, du coup. Attends, on est où? Ok, ah, on dirait un truc à escalader, là. Là, ouh, trois coffres. Deux faux, un vrai, je suis sûre. Et le boss. Et mais attends, mais... on a tout vu, là. Ok. Alors, quelle est la difficulté de ce truc? Il y avait vraiment une difficulté, là? Il y avait vraiment une difficulté... Non, c'est peut-être juste pour te prévenir que... Ah oui, et là, c'est la mort. Ah mais attends, est-ce que c'est le moment de faire un truc hyper cheaté? Genre... Attends, c'est combien la dalle? Elle est où? 3. Donc ça va m'en annuler un, c'est pas grave. Oh! Let's go! Non! J'y ai trop cru! Ah mais attends.
Non mais attends, je suis sûr qu'on peut le cheater le truc. C'est obligé, on peut cheater le truc. Attends, est-ce qu'on est à la même hauteur? Mais oui, ça se trompe, oui. Faut juste calculer le pattern. Allez, ciao. C'est tellement pété. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, je suis sûr. C'est pété de fou. Attends, il y avait des coffres à récupérer ou pas? Il y avait rien en plus. Ah, et après, il y avait peut-être un écho important. Au pire, je reprends hors vidéo aussi. Ah, c'est non. C'est là qu'on va mourir, c'est énorme. C'est peut-être là qu'elles vont me servir mes boissons. Non, j'ai bugué. Je cherche un écho. J'ai presque envie de... Non, je pense que je sais pas ce qui est de plus puissant, là. On va tester... Non, pas la table en bois, merci. Putain. Je sais pas si c'est le bon... faut faire des tours, là. Là, faut faire des tours. Hop, voilà, l'IA, elle est pas programmée quand on fait des tours. C'est énorme. Putain, le Dark Nut, il est tellement pété. Par contre, lui, je le veux bien, lui. L'homme boulet, là. Qui n'a qui... bah, Link to the Past, hein, lui, hein, je crois. Hein. En tout cas, dans Link's Awakening, je suis sûr qu'il existe, mais je crois que son origine, c'est Link to the Past. L'homme boulet! Comment il s'appelle déjà? Soldat à fléau. Ah, il s'appelait pas. Il avait un autre nom, non? Attends, il fait combien? 4. 4 avec un pic, ça c'est cool. Par contre, putain, mais les échos, ils sont vraiment buggés. Ça fait vraiment nunuche. Ah, on venait de là, ok. On a toujours pas la clé du boss. Ah, bah voilà. Bon, bah. Pourquoi il y a deux coffres à côté? Je prends la clé du boss en premier. Par contre, c'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça dans un Zelda. Genre, la clé du boss, puis trois coffres. Deux coffres. Oh! Mais c'est trop donné. On se croirait dans la fin d'un. Oh! L'anneau grenouille. Cette bague spéciale renfermant le pouvoir des grenouilles permet de sauter plus haut. Énorme! Attends, j'équipe. C'est où? C'est où? Mais. C'est où? Ah oui, c'est là. Attends, c'était quoi déjà ça? Je sais même plus. Des objets cassés ou monstres vaincus, laisse des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres. Ah ok, d'accord. Non, j'équipe ça. Sinon, on nous a donné ça. C'est... Comment on équipe? Confirmé. Vous ne pouvez équiper qu'un... Ah merde, faut désactiver ce truc. Ouais, la nage, je sais pas pourquoi je l'ai. Ça sert à rien. Ok, alors attendez. Déjà, on va dormir. Ces trois coffres-là, ça me fait trop penser à Triforce Hero. Dans Triforce Hero, quand tu finissais les mondes, il y avait toujours trois coffres. Et... Les récompenses, t'avais genre deux récompenses similaires, un un peu plus sympa. Bon, c'est le Zelda que j'aime le moins, je crois, de la saga. Avec Zelda 2. Mais parce que pour moi, Triforce Hero, ça ressemble plus à un spin-off, presque. Eh ben, on est reparti, on se téléporte, et puis on y va. Hein. Ah, je sais pas à combien j'en suis, parce que du coup, je vous ai fait une ellipse... Avec le truc d'infiltration que j'ai un peu galéré, mais je crois qu'on a dépassé l'heure quand même. On est parti. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les sbires. Ah, on va se battre contre les sbires. Et les imposteurs. Oh ma fille, comment nous nous retrouvons? Vos efforts pour refermer les failles sont véritablement contrariants. Il arrive pas à être gentil. Mais grâce au pouvoir de mon maître, je vais me débarrasser de vous une bonne fois pour toutes. Ah oui, d'accord. Yes, let's go. On n'est pas du tout prêt. C'est énorme. Ah, ça, on va faire un deuxième game over contre Ganon. Enfin, un deuxième, non. On est déjà au cinquième, je crois, mais... Mais t'es foutu de lui dans la scène d'intro, là. On va m'en rigoler, là. Oh, trop stylé, là. La cinématique. Oh, avec ses pieds de cochon, là. Le monstre bleu, je croyais que Link l'avait vaincu, pardon. Non, ce n'est pas le monstre bleu que Link a vaincu. L'énergie qui s'échappait lorsqu'il est apparu, elle ressemblait à celle qui se dégage quand on crée des échos. Mais bah, c'est un imposteur de Ganon. Mais oui, c'est ça. Lui aussi, c'est un écho. Bah, je l'ai pré-shot avant que tu l'écrives. C'est stylé, là. La fenêtre, là. Avec les petits échos, là. Enfin, comme une fenêtre de faille. Mon nom est Ganon. Non, sans deck. Je suis le roi des mondes qui règne sur les ténèbres de ce monde. Nul ne peut me vaincre. Périssez face au pouvoir de mes ténèbres. Je crois que j'ai mal lu la phrase. Oh, il est trop stylé!
Galon. Il est tout chou. Attends. stop. Stop. Non. Non. C'est énorme. La plante, hein, bien sûr. Hein. Voilà. La oh putain, je crois qu'il l'a défoncé. Je crois que ça marche pas. Je crois que la plante marche pas contre lui. Vas-y, s'il te plaît. Ah si. Faut juste que je me mette bien dans l'axe. Oh là là. Mais quand je vois Ganon comme ça, ça me fait penser à... I think so, what killing. Ça me fait penser à l'œuf sacré quand on combat son ombre avec son espèce de sceptre comme ça là. C'est moi, il m'a pas du tout tué. J'ai une charge de malade ou je me suis jamais trouvé dans sa direction? Oui. Je savais que j'ai eu de la chance. Attends. Attends. Vas-y, fonce sur le à la plante. Ouf. Non, alors on va arrêter de faire la maligne là par contre. Je vais garder les puissants... réduction des dégâts subis. Putain, c'est pété ça. Lui, je vais bien le garder à la fin de l'aventure. On a certainement pas 15 coeurs maintenant. Bon, allez. Un petit lait là, un petit lait long long. En tout cas, j'adore ce jeu. Franchement, je pensais pas être aussi... convaincu de ce jeu. C'est presque en train de devenir mon Zelda 2D favori, je crois. Et pourtant, Link's Awakening, il y a beaucoup de nostalgie, mais alors lui, c'est un bon compromis des deux, je trouve. C'est le charme de la 2D avec les mécanismes de Breath of the Wild et le TK. Viens là. Ah, oui, je suis bête, je devrais utiliser Link. C'est peut-être ça qu'ils veulent maintenant. Là, quand il est stone comme ça, voilà, quand il envoie son sceptre. Non, c'est pas un sceptre, c'est une hallebarde. C'est comme ça que je peux, la plante, elle peut le tuer. Par contre, pas quand il y a du feu, forcément. Comme c'est une plante, ça brûle. Oh, la musique, j'avais pas écouté la musique. C'est son thème. Ça me fait penser à Bitune Ward aussi, ça. Attends. Putain, crâne. Vite. Là, par là. Mince, je vais les reprendre à... Ouf! Fait mal, c'était... Attends. Attends, merde. Ouh, putain, j'étais dans... J'ai pas vu que j'étais en face de lui. Où suis-je? Bonjour. Je sais même pas où je suis, c'est énorme. Ah, mais je suis en train de cramer, c'est énorme. Non. Tiens. Faut que je tourne autour de lui. Et il est moins sensible. J'ai l'impression que là, les échos, là, ils s'en foutent un peu. Hein. À mon avis, l'effroi, ça marche pas sur lui. En fait, ouais. Je suis bête. Il faut que j'attaque en mode Link. Quand il est... du raisin. Pas grand chose à manger. Si, le nectar. Je vais essayer de garder quand même mes potions un peu plus. Ça se rend, il a plusieurs phases et là on a fait que la première. Mince, j'ai pas fait attention que j'étais en Link. J'ai bouffé mon énergie bêtement. 1 hour later. Non, il va me faire. Putain, j'avais pas envie d'utiliser ça. En plus, c'est nul parce que ça. Ça annule l'effet de défense, je suis sûr. Attends. Oh putain, mais j'ai cru que j'allais crever, hein. Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non. Je vais crever, c'est énorme. Puis j'ai plus d'énergie. Voilà, j'ai plus d'énergie, je vais crever, c'est énorme. Putain, j'ai vraiment plus rien, hein. J'ai pas envie de prendre le truc parce que ça va me... Ah mais ça... mais c'est pété, attends. Ça renvoie même quand t'es pas dans l'axe. Mais c'est complètement pété. Ah mais je savais pas ça.
Faire envoyer la boule n'importe comment, ça l'a quand même tapé dans l'axe. Mais c'est complètement pité. Là, vas-y s'il te plaît. Bon, ok. Allez, voilà. Putain, mais c'est pété de ouf. Mais il est pété. Mais c'est du P17 ça, mais au secours. Je vais mettre 1000 ans, c'est énorme. Oh mon dieu. Putain, mais même avec des ellipses, je pense que je suis au moins une heure et quart de vidéo, quoi. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai juste pas envie d'affronter le vrai. Remarque après, bon, c'est un vainqueur et tout, ouais. Oh, purée, c'était dur. je crois que j'ai jamais galéré dans un Zelda 2D comme ça. Là, c'était vraiment un donjon, hein. Tu t'as vraiment un cœur. Il va se passer un truc alors. Il va y avoir un plot twist là. On va nous dire que c'était l'imposteur, blablabla. Ça a remis la faille comme ça? Non, mais c'est pas possible, il va se passer un truc. Il va la retaper une deuxième fois, il va la rouvrir une deuxième fois, non? Mes camarades ont partagé, ok. Niveau 5. Oh, j'ai cru qu'on allait passer au niveau 6. On dirait que je peux faire plus de choses, ok. Tu vas faire quoi? Ah oui, on diminue encore, ok. Ok. Ah, et des trucs, comme ça on va pouvoir améliorer l'épée. Oui, en fait, là je pense que c'était plus dur. Déjà parce que de 1, j'ai pas de skill. Non. Mais de 2, c'est parce que t'as moins de cœur et que ton épée elle est pas puissante, quoi. Oui, le monstre, on avait compris ça. Hein. Ça voudrait dire qu'il existe quelqu'un ou quelque chose qui utilise les mêmes pouvoirs que nous. Après, si c'est un écho et que ça suit la logique du jeu, les échos c'est des miroirs, enfin c'est des clones. Donc c'est-à-dire qu'ils ont la même puissance. Donc Ganon, si on l'affronte à la fin du jeu, il a la même puissance normalement. Excuse-moi pour toutes ces questions, mais je ne comprends pas tout. Non, tu comprends pas grand-chose, hein, c'est sûr. J'aimerais tirer ça au clair, mais pour le moment, allons voir ton père. Comme la faille est enfermée, il doit être de retour dans ton monde. Rentrons. Non, mais non, mais non. Mais non. Par contre, Link, il est aux hommes absents, on l'a pas revu lui. Ok, on fait ça et puis. Oui. On va se quitter sur ça, à mon avis, on aura une petite cinématique. On s'arrêtera là. Ah, qu'est-ce qui se passe? William, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah, il est de retour lui. Il est décorrompu? Ah! C'est lui qui est enfermé maintenant. Il avait perdu sa corruption, non? Il avait plus les yeux rouges. Putain, mais il y a des rebondissements dans le jeu, incroyable. Il n'y a jamais autant de scénarios dans un Zelda 2D, donc. C'est sûrement le vrai Link qui vient de nous aider. Quelque chose là, comme capturé, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, il serait qu'on était tombé dans la faille, donc ouais. Ah, le vieux. Père Noël. Zelda. Où suis-je? Au château? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai été englouti par une faille. Merci Zelda, c'est vous qui m'avez sauvé. Voulez-vous bien me raconter ce qui s'est passé en Hyrule? Donc à mon avis, si tu rebouges le trône, tu peux retourner au monde du néant, j'imagine. Vous avez combattu au péril de votre vie, pour sauver les malheureux engloutis par ces maudites failles, pour sauver Hyrule. Zelda, ma très chère fille, vous avez fait preuve d'une telle bravoure, je suis fière de vous. Votre Majesté, vous n'êtes pas blessée? Parlez qui, au roi ou à nous?
Un intrus. Ah non, il parle à nous. Attendez, regardez bien, c'est Zelda. Ah non, je sais pas. Votre Altesse. Mais son Altesse Zelda n'est-elle pas coupable d'avoir créé ces failles? Zelda coupable? Ah non, donc. Il me semble que l'imposteur qui se faisait passer pour moi n'a pas lésiné sur la fourberie. Zelda, je vais dissiper tous les malentendus à votre sujet. Allez donc prendre un peu de repos. Vous aurez remarqué... Vous... Quoi? Vous êtes remarquable? Merci, je crois que c'était marqué ça. Ah, on est retourné dans notre chambre. Seigneur Tree, quelle surprise de pouvoir vous... Quoi? De pouvoir vous voir alors que vous n'étiez invisible qu'auparavant. Si son Altesse a pu rentrer sa naissance, c'est parce que vous l'avez guidé. Merci infiniment. Ça fait un moment que ça m'intrigue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, non. Ça non, pitié. Le ligne de dialogue qui est insupportable et qui est inutile. Vous êtes venu à l'aide de son Altesse et il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureuse. Merci le mot... Non mais pitié, on nous apprend quoi? La politesse en jeu? C'est pour les enfants ça, tuto politesse ou quoi? Mais je suis content que vous soyez heureuse. Ah, elle se réveille. Votre Altesse, vous êtes réveillée? On dirait Nick Sawkeling, genre tout le jeu c'est un rêve. Vous ne semblez pas blessé, le Seigneur Trim a trop à compter, vous êtes dressé contre le mal pour nous sauver. Vous avez pris plus de risques que de raison, mais vous êtes saine et sauve, c'est tout ce qui compte. Vous étiez si petite et vous voilà si grande à présent, si éblouissante. Je suis tellement heureuse de vous retrouver que je deviendrai presque un peu émotive. Pardonnez-moi, vous devenez à peine de vous réveiller, mais j'ai un message de Sa Majesté à vous transmettre. Lorsque vous serez suffisamment reposé, le roi aimerait que vous alliez le trouver dans la salle du trône. Je vais partir devant, nous vous y attendons. Eh ben on s'arrête là, c'est une grosse vidéo. Je sais pas combien ça fera de temps, mais je vous ferai des ellipses parce que alors là... Sinon sur YouTube ça va être un enfer à uploader. On s'arrête ici pour cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi, j'ai beaucoup aimé ce château de Dirul là. Ah, on peut faire l'écho de... What, on peut faire le... D'accord, ça fait quoi? Attends, ça fait quoi? J'ai envie de tester. Oh déjà il est plus puissant. Ça fait quoi? Ça fait rien, c'est énorme. Alors à mon avis peut-être qu'on se régène plus vite. Je sais pas, c'est marrant. On s'arrête ici pour cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous demain 8h pour la suite. On ira voir ce que le roi nous réserve. Salut!